Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue au Design Spot, enfin aujourd'hui bienvenue chez AgroParisTech puisque nous sommes dans un amphithéâtre d'AgroParisTech qui nous accueille aujourd'hui et on les remercie chaleureusement pour cela. Aujourd'hui donc nous allons parler de scénographie d'exposition plus précisément. Alors pour cette conférence, comme vous le savez, ça fait partie d'un cycle que nous organisons au Design Spot. Donc le Design Spot c'est le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Et donc là, on clôture le cycle. C'est la dernière conférence que nous faisons sur cette année scolaire. Et l'année prochaine, donc, nous nous retrouverons à la rentrée en septembre-octobre pour un prochain cycle de conférences. Et ça, on vous informera de ce nouveau cycle qu'on est en train de concevoir au sein de l'équipe. Voilà. Alors pour cette conférence, vous pourrez interagir sur le chat, vous pourrez poser vos questions. C'est Lorraine qui prendra vos questions et qui les posera. On fera une pause au milieu de la présentation et puis ensuite une pause à la fin de la présentation où on prendra donc toutes vos questions. Et moi, j'interagirai avec Serge. Bonjour Serge. Bonjour. Donc pour lui poser aussi des questions tout au long de la présentation. Voilà, mais écoute Serge, bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation à parler de scénographie et de design, de relation entre les deux. Ça résonne évidemment chez moi, puisque donc j'ai une formation de designer et je suis scénographe de métier. Et donc, je suis scénographe d'exposition. Donc c'est écrit sur l'écran. C'est important de distinguer, parce que le mot scénographie est utilisé aussi pour de la scénographie de scène, théâtre, opéra, spectacle vivant, et pour des événements, scénographie événementielle. On peut être sur du défilé de mode, des univers de marque, des anniversaires produits, des choses comme ça. Et donc voilà, on va parler de scénographie d'exposition, c'est ce que je pratique, c'est mon métier. Et je pratique, donc j'ai cofondé l'atelier Snoop avec Philippe Porto, mon associé qui est designer également en 2017. Et voilà, j'ai une pratique de 20 ans dans la scénographie d'exposition. C'est important avant de passer dans un certain nombre d'images, de projets. Donc, je vais présenter des projets qui sont plutôt les projets de l'atelier, donc plutôt mon travail. Il y a quelques exemples qui sont pris ailleurs. Parce que c'est important aussi de montrer des choses qui peuvent marquer ou inspirer mon parcours et que j'ai voilà, d'autres références. Et peut-être avant cela, donc avant de partir dans les images, rappeler, faire un petit peu rappel de définition. Ouais. L'exposition, évidemment, bon, on connaît, mais qu'est-ce qu'une exposition ? Une exposition, c'est un assemblage de choses variées, des objets, des textes, des images fixes en mouvement, des vidéos, des interactifs, qui sont mis ensemble, qui sont organisés à destination d'un public. Ça, c'est fondamental. On voit tout le temps, il y a un usager, il y a un public, il y a un destinataire. C'est comme en design, on a quelqu'un à qui on s'adresse, quelqu'un pour qui on conçoit. Et avec une visée communicationnelle. On essaye à passer un contenu, une histoire, un message, parler d'un artiste, parler d'un propos scientifique, parler de quelque chose à travers un espace. Et c'est ce qui fait de ce média quelque chose de si caractéristique, c'est que les signes qu'on utilise ne sont pas uniques. Ce n'est pas que des lettres comme dans un livre, ce n'est pas que des images comme dans un film, c'est une multitude de choses variées. Donc il y a une diversité, du coup ça doit être passionnant du coup, absolument. De varier tous ces éléments-là. Ouais. Il y a une diversité dans l'exposition, il y a aussi une diversité d'exposition. Il y a des expositions d'art, il y a des expositions scientifiques, il y a des expositions d'histoire, il y a une diversité de lieux, une diversité d'institutions culturelles, différents types de musées qui produisent différents types d'expositions. Il y a des aspects, j'imagine, très techniques aussi. Bon, parce que ton formation de designer produit à la base, effectivement, ça t'a nourri. Il y a évidemment des aspects techniques, ça fait partie des choses dont on va parler aujourd'hui. Et puis il y a aussi une dimension spatiale par laquelle on va démarrer et qui est évidemment pas a priori le terrain de jeu du designer, l'espace. Mm-hmm. Celui de l'architecte peut-être, mais bon, voilà, c'est clairement au cœur de ça. Donc qu'est-ce que l'exposition s'est fait ? Qu'est-ce que le scénographe ? Le scénographe, c'est donc étymologiquement, c'est celui qui écrit l'exposition, scénographie. C'est un prestataire qui est choisi par l'institution. Je parle beaucoup d'institutions parce que les musées sont des institutions d'État, publiques. Et le scénographe, avec d'autres, le graphiste, l'éclairagiste, l'acousticien, etc., vont être les prestataires qui organisent l'espace, qui distribuent le contenu de l'exposition et qui produisent un certain nombre de dispositifs scénographiques,
la cimaise, la vitrine, le mobilier, des éléments techniques, formels, pour proposer aux visiteurs simplement la présence des objets. En fait, il faut rendre ces objets visibles, présents. Il faut les disposer. Et on fait cela dans une visée communicationnelle pour que le visiteur reçoive quelque chose. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, sauf le plus important, est-ce qu'une scénographie doit être sémiotiquement le plus neutre possible et ne pas peser sur la collection. Sémiotiquement, c'est-à-dire ce qu'elle raconte, quoi. Ouais, au niveau du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'effectivement, la scénographie, elle est très en retrait. Mm. Elle laisse s'exprimer l'œuvre, l'objet, et qu'en fait, elle s'efface. Mm. Ou est-ce que la scénographie, est-ce qu'on peut produire un dispositif scénographique avec une intention supplémentaire à l'attention du public pour permettre d'augmenter la capacité de l'exposition à communiquer. Autrement dit, est-ce qu'on peut dépasser la résolution du problème technique, dépasser le fait simplement de montrer des objets, et qu'on peut apporter par la scénographie une dimension de sens supplémentaire. Donc c'est le côté sensible. C'est le côté effectivement dépasser la résolution du problème. C'est faire 1 plus 1 égale 3. C'est beau. C'est ça. C'est pas juste on met des objets, c'est on embarque le visiteur dans autre chose. Et j'ai justement un premier exemple de ça, qui est une des expositions, c'est pas une exposition que j'ai faite, hein, c'est écrit, exposition Jardin planétaire, commissariat Gilles Clément, scénographie Raymond Sarti. C'est une des premières expos que j'ai vues, moi, en arrivant sur Paris. J'étais jeune étudiant en design. Grande halle de la Villette, 450 mètres carrés, un monument d'exposition, une référence très connue, une très, très belle. Très belle expo, et justement, c'est la quintessence de ça, quoi. C'est vraiment l'exposition qui mêle énormément de dimensions, du vivant, du végétal, du média, de l'image, de la photographie d'art, des objets ethnographiques, des manips, du son, des histoires. Et c'est vraiment le moment, pardon, moi je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce média? Je suis dans une forêt, dans un jardin, on me raconte des choses, on me fait passer des notions scientifiques, culturel, artistique, c'est vraiment, la démonstration en puissance, alors là avec des moyens, etc., mais la démonstration en puissance de ce que permet ce média, ce que permet l'exposition. Et c'était une expo où le design est vachement présent, en fait. Alors, Raymond Sarti n'est pas un designer, mais il y a tout un tas de médiations dans cette exposition, d'objets, de choses à manipuler, de choses à regarder, de médiation par l'objet, par la sculpture, etc. C'était vraiment une dimension qui était vraiment passionnante pour moi. Avant même que je me dise que c'était un métier, que j'ai identifié le métier, que je me dise que je pouvais faire ça. Une autre référence que je voulais montrer, c'est aussi une exposition que j'ai vue à Paris. C'est une exposition que c'est Gaetano Pesce, designer. Rétrospectif Gaetano Pesce au Centre Pompidou. À Paris, dans le forum, au niveau bas du forum, dans une expo qu'on voyait avant d'entrer dedans, on la voyait par-dessus, en arrivant sur la coursive. Et donc, Gaetano Pesce, on voit le travail de ce designer, questionne le process industriel, l'unicité dans l'industriel. Et donc, cette exposition, elle avait une espèce d'image forte sur le dessus, elle s'appelait le temps des questions, et il y avait ce gros point d'interrogation, mobilier énorme, avec de la résine coulée par-dessus, donc on reconnaît Gaetano Pesce, l'univers du bonhomme. Et c'est ce que je disais à l'instant, que c'est vraiment comment le dispositif scénographique, il peut complètement dépasser la somme de ce qui est exposé. Faire vraiment plus, ça posait directement cette question avec ce gros point d'interrogation. Et après, dans l'exposition, c'est une image qui est très sombre, là, parce que j'ai trouvé qu'un documentaire de l'INA, j'ai pas trouvé d'autres images de cette expo. Mais on était à la fois dans la production du design, on avait en tête, mentalement, toujours, ce point d'interrogation, on l'avait vu en arrivant, il était une espèce d'image mentale hyper forte qui restait. Et ça, c'est vraiment la première notion sur laquelle je voudrais venir. C'est vraiment fondamental. L'espace, l'exposition, ça suppose un visiteur qui se déplace dans un environnement et qui produit du sens par son déplacement et par son activité sémiotique, cognitive. Il produit le sens de l'exposition. Il comprend le propos, il comprend plus que le propos. Et l'espace, pour ça, est vraiment super important. Et ça questionne, le travail de scénographie, de façon générale, questionne la notion d'échelle.
Donc la présentation est un peu organisée comme ça aujourd'hui. On va passer à travers différentes échelles, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'espace, le mobilier, la matière, la technique, parce que le travail de scénographie convoque toutes ces échelles et qu'il y a des résolutions à trouver à peu près partout. Et c'est une approche globale, il faut mettre ensemble et rendre complémentaire le travail sur la matière, sur le mobilier, sur l'espace, sur la déambulation, sur le paysage visuel, etc. En s'adaptant à un lieu qui a eu aussi lui-même son échelle et qui a... Absolument. Et bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Et c'est l'exemple que j'ai choisi, c'est qu'on s'adapte à un lieu existant, à la scénographie, souvent le musée. Et le lieu, il est pas neutre. C'est pas l'exemple que j'attendais, je suis désolé. On va quand même passer par là avant tout. La question des échelles. Alors, je disais, quelle que soit l'exposition, même la plus petite possible, ce qu'on cherche en scénographie, en tout cas à l'atelier, c'est de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment de trouver le moment où la scénographie peut donner un plus, apporter une signification, se mettre au service du message de l'exposition. Et donc je prends cet exemple, c'est une toute petite expo, il y a deux tableaux dans cette expo, c'est les deux qui sont là, Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard de Jacques-Louis David, et un tableau contemporain d'un peintre américain qui s'appelle Kean Wiley, qui a fait donc une réinterprétation de ce tableau célèbre dans une série de peintures qui s'appelle Rumors of Wars et qui questionne ces figures de pouvoir à travers la peinture et qui remplace les personnages historiques célèbres par des noirs américains. Et donc le château de Malmaison avait organisé une exposition pour mettre en face ces deux toiles qui ne se sont jamais rencontrées évidemment. Et donc nous on a scénographié cette exposition dans le vestibule du château qui n'est pas un lieu prévu pour exposer, donc il n'y a pas de cimaise, il n'y a pas de cloison, les tableaux sont énormes, hein, très gros tous les deux, et donc le dispositif scénographique, le rôle du scénographe, c'est tout simplement de trouver les possibilités d'accrochage, donc il faut construire déjà des cimaises pour porter les œuvres, pour faire passer du câblage, pour éclairer, pour mettre dans les bonnes conditions, même si la salle ne s'y prête pas. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Le scénographe, il doit à minima faire ça, parce que sinon, on ne peut pas exposer. Mais au-delà de ça, on s'est demandé, mais c'est un dialogue, c'est un face-à-face, c'est une confrontation, qu'est-ce qu'on fait pour ajouter un peu de sens, pour augmenter cette confrontation. Et en fait, on a fait une chose très simple, c'est de se dire, et si on prenait la couleur de fond du tableau de David pour s'en servir, pour mettre en valeur le tableau de Wiley, et si on faisait l'inverse, qu'on prenait la couleur de fond du tableau de Wiley pour mettre en valeur le tableau de David. Et donc, on l'a vu sur le plan, les deux tableaux se font face dans des alcôves, comme ça, avec ces couleurs qui augmentent le dialogue. Alors, c'est un geste assez simple, mais c'est un geste qu'on a... je parlais d'échelle, on s'est dit, mais on va peut-être aussi le jouer graphiquement avec les graphistes à qui on a travaillé, l'atelier Pentagone. Ils ont conçu cette typographie qui est pleine de couleurs, donc, qui reprend les deux teintes, qui les met en scène sur des... Enfin, qui les place sur les volumes et qui produit une typographie qui, donc, a un double sens. On regarde, quand on arrive dans l'exposition, on regarde d'un côté, on a la couleur gris-bleu du David. Et si on change de posture, on est dans ce dialogue. On est dans ce registre. Donc, voilà. Ce que je disais, l'exposition la plus petite possible, on doit pouvoir trouver ce... C'est ce qu'on cherche, en fait. C'est ce qu'on cherche à faire en étant scénographe, à faire ce dialogue-là. Je reviens sur l'exemple que j'attendais tout à l'heure à l'écran, la question de l'espace. Et l'usage de l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, l'usage, j'aime bien ce mot-là parce que c'est un mot qu'on utilise énormément dans les formations de design. L'usage, l'usager, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on veut apporter à cet usager, qu'est-ce qu'il va faire de la proposition, comment il va s'en saisir, etc. Oui, de manière déjà, dans un premier temps, fictive, parce que souvent les usagers, on ne les connaît pas bien, c'est des personas. Ouais. Et ensuite, dans l'idéal, c'est on fait du scénario, on se met à la place, on se dit, on s'adresse à telle personne, etc. Et en scénographie, avec ces outils peut-être du design, alors encore une fois, le propos de la conférence, c'est pas de légitimer le designer comme le professionnel idéal pour la scénographie. Hein, c'est ma formation, c'est de là que je viens, mais voilà, ma formation c'est 5 ans, ma pratique de scénographie c'est 20 ans, donc il faut remettre les choses à leur place. Mais l'exercice aujourd'hui me plaît de tirer ce fil et de voir comment le designer peut mettre ses outils au service de cette pratique scénographique. Usage et notamment de l'espace, parce qu'en fait l'espace il est investi par le visiteur, il est pratiqué, l'espace... Il nous immerge, en fait. N'importe quelle expo est immersive. On parle souvent d'expo immersive, mais par définition, l'exposition, c'est immersif. La pratique d'un espace, la déambulation, c'est immersif.
Et le visiteur, il ressent, il y a un ressenti de cet espace. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, parfois le ressenti n'est pas bon, en fait, il peut être fou. L'espace, il peut induire quelque chose de différent, qui ne sert pas forcément le propos. Et j'ai un exemple de ça, alors qui ne vient pas de ma pratique, c'est une exposition, une rétrospective du travail des designers Ronan et Erwan Bouroulec au Musée des Arts Décoratifs à Paris, dans la Grande Nef, donc c'est cette salle très imposante, classique, proportions gigantesques. Et donc, on voit le travail des Bouroulec et je... Il dit de même dans une interview, c'est ça que j'ai exprimé, qu'en fait, il a fallu qu'ils combattent cette monumentalité, ce classicisme, en fait. Et la solution qu'ils ont trouvée, que je trouve vraiment géniale, en fait, c'est qu'ils l'ont gommé, ils ont gardé les proportions, ils ont fabriqué une nef en textile qui réhabille complètement l'espace et qui le fait disparaître, sinon sa qualité première, qui est le volume et la lumière. Et donc ensuite, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus facile d'implanter un travail contemporain de design dans un univers qui a été un petit peu neutralisé. Ça sert beaucoup mieux le travail du design, mais surtout, ce que je veux dire, c'est que ça met beaucoup plus facilement le visiteur en condition de comprendre ce qu'on lui montre. Parce qu'effectivement, ce travail immobilier, moi j'aime beaucoup les Bouroulec, il a ses qualités d'organisation d'espace, de partition, de confort. Il y a des luminaires, il y a des lampes, c'est un travail qui permet la structuration de l'espace et le confort. Et donc, il fallait pour ça un espace qui ressemble à un espèce de loft géant, une cathédrale de douceur textile, etc., dans laquelle les objets rendus par ces photos, mais la sensation spatiale, était vraiment extraordinaire. On était vraiment dans un appart. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal de systèmes de cloisons. Oui, voilà, et ça, du coup, effectivement, tous ces systèmes de cloisonnement qu'on connaît, les algues, etc., ils étaient déployés sur des échelles hors normes, mais ça leur allait tellement bien, c'était tellement pertinent de montrer comment ces systèmes, qui sont des systèmes domestiques de cloisonnement, etc., parce que là, on est entre le design, le produit, l'espace et l'architecture, quoi. On est vraiment. Ouais, c'est ça. Alors, c'est l'expo de designer, là, pour le coup. Ils ont fait même la scénographie. Donc, je suis dans le thème. mais j'ai un second exemple de ça, qui cette fois est un projet qu'on a fait à l'atelier, pour le musée des Confluences à Lyon. Donc, c'est un bâtiment des architectes autrichiens Coppi Mellblau. Donc, on voit cette forme, ce vaisseau de verre, d'acier et de béton. Donc, un lieu d'une extrême modernité. Et on a fait la scénographie d'une galerie permanente qui s'appelle la Galerie Guimet, la galerie des donateurs du musée. Et la galerie des donateurs du musée, c'est donc les collections. Le propos, c'est de rendre hommage aux donateurs et d'expliquer au public qu'un musée, c'est sa vie de ses collections. Le cœur du musée, c'est les collections, et les collections, à 80%, sont des dons. Sont des scientifiques, sont des voyageurs, sont des curieux, des passionnés, des collectionneurs, qui lèguent leurs collections au musée. Alors, Émile Guimet, le premier, parmi les premiers donateurs du musée, et puis d'autres dans tout un tas de registres, l'ethnologie, la préhistoire, la zoologie, etc. Et donc cette galerie, elle avait vraiment une dimension d'expliciter la genèse du musée, des collections, de replacer ça dans une temporalité, l'ancien muséum d'histoire naturelle de Lyon, les cabinets de curiosité, etc. De remettre tout ça dans un contexte historique, dans un bâtiment qui, on l'a dit, est un geste de modernité absolue, en fait. Et donc, on avait l'impression que cette salle, alors là, je montre le plan, avec un jeu de pente en périphérie, des facettes, etc., des baies vitrées orientées, etc., elle avait une modernité qui était un petit peu trop forte, en fait, par rapport aux propos qu'on avait envie de tenir. Je me dis, c'est pas évident de s'installer. Et surtout, alors on avait une autre contrainte dans le cahier des charges que j'évoque, parce qu'elle est assez atypique, mais c'est important, c'est qu'en fait, cette galerie permanente Émile Guimet, pour le musée des Confluences, elle est destinée à faire de la privatisation, à recevoir des événements. C'est aussi un enjeu pour les musées aujourd'hui, éventuellement, de privatiser les galeries et de pouvoir s'en servir comme un axe de développement. Et donc, en fait, on ne pouvait pas occuper le centre de l'espace, parce qu'on avait des configurations qu'on voit sur la droite. Il fallait qu'on puisse installer des cocktails, des dîners, des conférences, etc. Donc, en fait, on utilisait uniquement la périphérie. Il fallait qu'on puisse dégager complètement l'espace. Et donc, ça nous a amené à faire une proposition qui était de faire une périphérie de vitrines, de grands ensembles, qui sont justement, comme j'évoquais à l'instant, un peu comme les cabinets de curiosité, des ensembles de collections très esthétisants, très bien présentés, très composés.
par typologie. Et c'est vrai que ça, c'était une opportunité du programme aussi, c'était de dire, en fait, on n'a pas de propos scientifiques, on n'est pas en train de parler du développement de telle espèce ou d'hypothèses de préhistoriens sur ça. On est juste en train de parler des donateurs et on ne va pas plus loin dans le message scientifique. Donc, c'était facile aussi de composer des ensembles qui ont une visée esthétique, principalement esthétique. Et d'ancrer ces tableaux, ces vitrines, sur une périphérie qui est faite d'un bois, une essence de bois, c'est du châtaignier teinté, foncé, qui renvoie à cette historicité du musée du 19e, à la vitrine en bois, et qui, dans ce bâtiment extrêmement moderne, ramène un matériau qui parle d'autre chose, en fait, qui change l'espace, qui transfigure le ressenti de l'espace, un peu comme avec l'exposition des frères Brolet tout à l'heure. Un détail, une précision importante, c'est qu'effectivement, ce périphérie bois dans l'espace, elle est dégradée. Donc, c'est un panneau bois qui est bois sur le bas et qui progressivement monte jusqu'au blanc. Donc, cette idée de relation entre ce qui est ancien, ce qui est moderne. Okay. Et donc, c'est un effet visuel qui marche dans la galerie parce que le plafond est relativement bas et que donc le dégradé blanc amène de la légèreté. Pour recréer un lien avec le bâtiment, quoi. Pour recréer aussi un lien avec le bâtiment. C'est-à-dire qu'on est, on est sur une essence vraiment très foncée. Hein. Quand on a vu les premiers échantillons, le client nous a dit « Ah oui, mais l'armoire de grand-mère, c'est pas possible. » Elle a dit « Ouais, non, mais attention, ok, c'est du châtaignier teinté foncé. » Donc, châtaignier teinté foncé, c'est pas clairement dans la tendance du moment. Mais bon, de toute façon, en scénographie, on ne fait pas dans la tendance du moment, en général. Mmh. On fait juste du sens, on cherche le matériau qui a du sens. Et là, ça en avait. Et effectivement, quand le projet est arrivé et que la galerie s'est montée, l'effet fonctionne. Quoi. Vraiment, ce bois qui amène beaucoup de chaleur, ces grandes collections, et puis un travail de composition des vitrines, je l'évoquais tout à l'heure, qui en fait vraiment des tableaux visuels, des compositions qu'on ne s'autorise pas en fait, dans des expositions parce qu'il y a un propos scientifique qui ne permet pas de rassembler comme ça des minéraux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ou des collections de fossiles qui, historiquement, sont pas forcément cohérentes. Mais comme là, on est sur un propos sur les donateurs, eh ben, en fait, tout est possible. Et la première slide où tu montres justement tous les... les échelles, tous les objets mis à l'échelle. Ça, c'est des choses que vous faites, vous prenez, ça, c'est des éléments qu'on vous a fournis, ou vous êtes obligé de... Alors, on nous fournit la liste d'œuvres, effectivement, le scénographe, il travaille à partir d'une liste d'œuvres, d'une liste d'objets choisis. Et la première chose qu'on fait, c'est de la mettre à l'échelle. Donc on récupère les visuels de tous ces objets, on récupère les dimensions et on fait un travail de mise à l'échelle et ça nous donne déjà l'encombrement des objets parce qu'effectivement le travail premier c'est de composer, de mettre les choses ensemble, de regarder la place que ça prend et de savoir tel ensemble on va le mettre là parce que ça a du sens dans la déambulation mais aussi parce que spatialement dans les proportions c'est là qu'il rentre, c'est là qu'il est bien, etc. Il y a un aspect très graphique du coup. Il y a un aspect très graphique dans ces compositions. Vraiment accentué dans ce projet-là, hein. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure, on a une liberté de possibilités de composition qu'on n'a pas d'habitude. Les conservateurs du musée, d'un point de vue scientifique, mettre tous ces minéraux ensemble, ou tous ces fossiles-là, ça n'a pas de sens. Mais la seule chose qui les unit, c'est que c'est le même donateur, c'est le même collectionneur, ou alors que c'est un ensemble de donateurs dans le thème de la minéralogie. On a une épée d'académicien là, en plein milieu de la vitrine, avec des minéraux bruts, on a des pierres précieuses taillées là, sur le rond noir... Donc, en fait, d'un point de vue scientifique, ça n'a pas de sens. Mais dans cette galerie, ça en a. Et c'est très spectaculaire. Et donc, il fallait saisir l'opportunité parce que voilà. Ouais, puis pour le visiteur, je trouve que c'est justement, ça attise. Oui, il y a un ressenti qui est hyper. Ça génère une grande curiosité. Et ça allait très bien. Mais ça, c'est la pertinence du choix du musée aussi de faire la galerie des donateurs comme un lieu événementiel capable d'accueillir des privatisations. C'est que ça fait un environnement extrêmement. Alors, prestigieux parce que les collections du musée le sont et que le musée des Confluences, de toute façon, il y a trois salles d'exposition permanentes avec des collections incroyables, etc. Donc, ce prestige des collections et des ensembles scénographiques, ils l'ont déjà ailleurs dans le musée. Mais là, dans la galerie des donateurs, il fallait se mettre au niveau du reste et trouver une spécificité. J'arrive sur la notion des mobiliers. Alors, évidemment, design, designer, mobilier, parce que je disais tout à l'heure, la partie des dispositifs scénographiques qu'on met en place, ce sont des meubles, des vitrines, des socles, des cloisons. Et on apporte une grande attention à ce travail-là, parce que c'est notre compétence de le faire et parce que c'est complètement au service
du projet. Je reste volontairement sur le projet des confluences. Ces vitrines, on a évoqué tout à l'heure, vitrines du 19e, grand ensemble composé. Mais en fait, elles sont extrêmement techniques, elles sont extrêmement modernes du point de vue intégration des éclairages, des câblages, des ouvrants, des surfaces de verre. Elle fait 11 mètres, la vitrine qui est sous nos yeux là. Et ce sont des objets extrêmement techniques, en fait. Donc à la fois, elles sont l'évocation des cabinets de curiosité, des choses très simples. Et en même temps, ce sont un petit peu des prouesses de technicité d'aujourd'hui. Et ce qui nous plaisait, c'est ça, c'est ce double langage, en fait, qui est celui de cette salle. C'est la temporalité, se dire... C'est le mobilier finalement qui l'incarne, c'est ces vitrines qui sont à la fois très classiques, très simples, en bois, enfin sur une structure acier, hein, c'est ce qu'on voit là, et qui à la fois sont, voilà, sont cette modernité, et ça fait le lien, ça donne selon nous l'équilibre au projet qui était nécessaire. Ce qui est hyper intéressant de voir justement, tu as vraiment quelque chose d'assez minimaliste comme ça dans l'aspect de ce meuble, et puis après tu montres, ce qui est chouette que tu partages ces éléments techniques. On ne se rend pas forcément compte des compétences techniques nécessaires pour développer ces systèmes-là. Parce que comme tu le dis, ben, en fait, c'est des vitres très lourdes, il faut pouvoir les supporter. Donc c'est pour ça qu'il y a des pieds en métal. La vitrine de zoologie, la voit sur le côté, elle a un vitrage de 3,60 m en un seul morceau sur charnière. Alors l'image du milieu, je ne l'ai pas dit, il faut que je le dise, c'est le travail du bureau d'études de l'entreprise qui a réalisé ces vitrines, donc c'est une matière à penser à Toulouse. Donc nous, on conçoit les vitrines et on fait des plans et on va loin dans la définition des épaisseurs, des structures, des passages de câbles, des intégrations de contrôle d'humidité, etc. Et au bout d'un moment, on passe ce travail à l'entreprise, évidemment, de réalisation qui met la barre encore plus haut et qui développe le type de visuel qu'on a au milieu, là, avec vraiment des calculs de charge, qu'est-ce qui se passe quand un visiteur pose la main sur la vitrine et s'appuie, qu'est-ce que ça déforme, comment on reprend toutes ces charges. Donc ça c'est des partenaires avec qui Snoop a l'habitude de travailler. Alors ce sont les entreprises de réalisation qui sont elles aussi choisies sur les marchés publics. Et donc on ne peut pas juste venir avec son prestataire ou dire le projet on va le faire avec lui. Okay. Il y a une mise en concurrence obligatoire. D'accord. Ce sont les lois de marché de maîtrise d'œuvre publique qui s'appliquent à l'architecture, qui s'appliquent à la scénographie. Et donc voilà, toutes les entreprises, nous y compris, on est choisis sur des mises en concurrence, sur des marchés publics. D'accord. Ceci dit, effectivement, les entreprises de réalisation scénographique ne sont pas si nombreuses que ça. On les connaît, on a l'habitude de les retrouver, ou de ne pas les retrouver, mais donc Matière à penser, effectivement, c'est un partenaire régulier et qui ont fait du bon travail. Je vais sur un autre projet, qui sera peut-être le dernier avant qu'on fasse la pause, sur la même question du mobilier, toujours, Musée des Arts et Métiers, une exposition sur... les maquettes de Madame de Genlis, alors c'est ce qu'on voit à droite de l'image. Madame de Genlis, donc ça se passe au XVIIIe siècle, l'expo s'appelle Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle. Madame de Genlis, c'était la préceptrice des enfants de la famille d'Orléans, donc le frère du roi. Et donc c'était la personne chargée de l'éducation des princes, et notamment du futur roi Louis-Philippe. Et Madame de Genlis avait des principes pour l'époque de pédagogie assez innovateurs. On était en plein siècle des Lumières, là l'image qu'on voit en dessous c'est l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Un intérêt pour tout connaître, tout savoir, y compris les artisans, les productions artisanales. Et Madame de Genlis, elle emmenait les enfants dans des ateliers, elle leur faisait faire des visites, elle les emmenait chez le menuisier, chez le céramiste, chez l'artisan cloutier, etc. Et de retour au pavillon, où elle faisait l'éducation, elle faisait fabriquer des maquettes pour les enfants, sur lesquelles toutes les pièces sont mobiles, on peut jouer au menuisier avec ces maquettes, tout est mobile, c'est extrêmement détaillé. Donc c'est des objets extrêmement chers pour l'époque, hein, mais c'est la famille la plus riche de France à ce moment-là, enfin la deuxième plus riche de France, c'est le frère du roi. Et donc voilà, les maquettes de Madame de Genlis sont parmi les collections les plus anciennes conservées au Musée des Arts et Métiers. Et donc le musée les expose régulièrement, il y a eu déjà 3 ou 4 expositions en quarantaine d'années. Et donc là, on a conçu la scénographie d'une exposition Madame de Genlis avec 13 de ses maquettes. Et on a choisi de faire ce travail de mobilier, donc de faire ces vitrines qui sont extrêmement réduites, extrêmement serrées autour de l'objet. C'est comme des petits écrins. Et ça place le visiteur vraiment dans cette posture d'aller à l'essentiel, d'être dans une vision extrêmement frontale,
On ne voulait pas qu'on voit la boîte, on voit le tout, on ne voulait pas vitrer au-dessus, on ne voulait pas vitrer sur les côtés. On est dans une vision extrêmement frontale. L'éclairagiste aussi a fait un travail de lumière extrêmement didactique. On n'a pas mis de source pour, ponctuelle de lumière pour révéler des détails, dramatiser la maquette. On est vraiment dans une vision didactique. On éclaire au ruban LED, comme on les utilisait à l'époque, avec cette proposition ergonomique. C'est de ça que je veux parler sur ce projet, c'est que c'est des mobiliers, ce sont des vitrines qui ont une ergonomie spécifique pour orienter la concentration du visiteur, sa vision, la façon dont il se place sur un niveau un petit peu bas, pas complètement un niveau pour enfants, parce qu'il y a des visiteurs de cette expo qui ne sont pas des enfants, mais qui rappellent un peu ça. C'est comme une maquette qui était destinée à des enfants. Et donc on a fait aussi ce choix de les poser de faire des surmeubles, en fait, de faire des petites vitrines qui sont posées sur d'autres meubles pour accentuer cette dimension mobilier de la maquette qu'on sort, qu'on pose, qu'on amène, qu'on regarde et qu'on ramène. Alors là, on la ramène pas, évidemment, elle reste là dans l'exposition, mais on était dans ce vocabulaire là on voulait au contraire pas les mettre dans des grandes vitrines, dans une posture muséale, les sacraliser comme des objets de musée. On voulait que ça reste ce qu'ils sont, des objets didactiques, des objets pédagogiques, et qu'ils aient cette valeur-là dans l'exposition. Et ensuite, évidemment, ce travail de mobilier, il génère un espace. C'est un travail c'est une approche globale, hein, c'est un travail sur les échelles dont je parlais tout à l'heure. L'exposition est un dédale un peu de mobilier un peu placé en oblique comme ça. Et on passe visuellement d'une maquette à l'autre, c'est un renvoi. Et ça évoque un peu les rues de Paris, les ateliers dans lesquels Jean-Lys emmenait les enfants et on allait chez l'un, chez l'autre, etc. Donc ce passage se renvoie avec un petit travail d'enseigne. À chaque fois, on a mis une petite enseigne, un peu comme une échoppe, qui évoque le céramiste, le lamineur, etc. Voilà, et donc c'est vraiment il y a un travail d'espace, bien sûr, il y a un travail d'organisation des circulations, mais le travail immobilier, pour le coup, prend vraiment le pas, guide absolument tout ça. Et ce travail a une vertu ergonomique aussi, c'est qu'en soulevant légèrement les mobiliers, on dégage le plan horizontal, et sur le plan horizontal, il y a des axes de médiation, des choses à manipuler, des questionnaires, des écrans. Donc évidemment, le travail sensible sur le mobilier, mais il y a évidemment le travail d'ergonomie et de praticité. Et d'usage, parce que moi, voilà. J'imagine, le plan de travail, en plus, j'imagine qu'on peut être un peu sac comme ça. Oui, il y a vraiment une posture. C'est des maquettes qui sont extrêmement détaillées, on passe du temps, ça fourmille. Alors malheureusement, c'est une expo qui a ouvert pendant le confinement, donc elle a peu rencontré son public. Il y a eu des visiteurs, elle a été ouverte quelques mois, mais pas aussi longtemps que prévu. Mais effectivement, c'est des petites fenêtres, c'est des petits écrans, et on reste... Le reste de l'expo est assez... on le voit, hein, sur ces images-là, c'est peu, tout se concentre autour de ça, la médiation, les textes, le reste est assez dégagé, en fait. Oui, en tout cas, ça invite à la contemplation, se poser... Oui, c'est observer. ça va à l'essentiel, en fait. C'est un mobilier qui permet vraiment de... Alors, la maquette fait ça d'elle-même, en fait. Elles sont tellement détaillées, elles sont tellement riches que c'est là qu'on va regarder, bien évidemment. Mais je pense que ça aurait été complètement différent de le faire dans une grande simèse avec juste une niche ou sur des grandes tables avec des cloches plus classiques. Voilà, je pense que c'est vraiment ça notre travail de scénographe, et je dis ça avec ma casquette de designer à ce moment-là, d'être attentif au visiteur, encore une fois, quel usage il va faire et comment dans la gestuelle, dans la posture, dans ce qu'on lui propose, comment on peut le mettre dans les bonnes dispositions pour... profiter au maximum de ce qu'il voit, dans l'ergonomie, le recul, l'éclairage, etc. Mais au-delà de ça, encore une fois, être dans les bonnes conditions de réception de ce qu'il voit, en fait. Des maquettes pédagogiques, certes d'une qualité exceptionnelle, unique au monde du XVIIIe siècle, et les regarder comme un monde, en fait. Voilà. Super, ouais, c'est magnifique. Merci. C'est le moment de la pause ? Ouais. Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des personnes qui nous regardent, donc bon, il n'y a pas de questions, très bien, c'est que c'était clair. Moi, ce que je trouve vraiment, je trouve que cet exemple-là, en plus, particulièrement bien, parce que je trouve qu'il regroupe bien cette notion, toutes ces notions-là, quoi, d'usage, l'histoire que tu racontes, retrouver ces ruelles, ce travail de scénographe que tu amènes. Et du coup, ça rend la chose à la fois contemporaine dans la mise en scène, et malgré que ce soit des objets du 18e, déjà vus, déjà exposés, qui ont effectivement une patine, une esthétique,
C'est ce qu'on cherche à faire, effectivement, c'est de se placer dans une relecture du propos à chaque fois. C'est ce qui fait la richesse du métier. Chaque propos est différent, chaque sujet est différent. Donc ça, c'est une première richesse. Et la seconde richesse, c'est que le sujet qu'on met sur la table, sur lequel le musée nous demande de réfléchir, on peut le traiter de 3, 4, 5, 10 façons. Quoi. Et quand on développe ces esquisses de projet, quand on fait ces premiers temps de réflexion, on est nous-mêmes, on est nous-mêmes pris par des postures différentes, des possibles différents. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'en a pas, est-ce qu'on fait fausse route. Là, je montre les projets finis. Voilà, les produits finis. Mais effectivement, il y a du déchet. Et il y a du déchet, pas forcément au sens où c'est raté, mais il y a aussi des idées des fois qui sortent et qui ne sont pas bonnes. Hein. La première idée, des fois, c'est vraiment pas la bonne. Mais il y a du déchet aussi au sens où c'est juste une question de choix, en fait. On a parfois des idées qui sont bonnes, mais on ne va pas les faire parce que... parce qu'il y en a une autre qui prend le pas ou qui permet justement de se placer à un pas de côté ou dans une posture différente et qu'on va préférer assumer ces vitrines-là avec leur petit pied Louis XVI, que le détail un peu signifiant au premier degré de l'époque. Et quand vous faites un accompagnement, par exemple pour ce type de projet-là, vous arrivez avec une seule proposition? Oui. Quand on fait une esquisse de concours, donc là c'est une mise en concurrence, hein, c'est quatre équipes de scénographie à qui on donne la liste d'œuvres, la salle, on les rencontre, on les briefe et quelques semaines après on les revoit avec une esquisse. On vient avec un projet, on vient avec une proposition, on dit notre vision de la scénographie de l'exposition, c'est ça. Et quand on l'explique, ça part de là, ça part de comment on regarde ces objets. On va les regarder comme si, et après on dézoome. Donc c'est le meuble, on dézoome, c'est la rue de Paris, et on dézoome encore. Il y a une partie que je n'ai pas montrée dans l'exposition, mais qui a un jardin. Enfin, il y a un jardin, parce que Madame de Genlis emmenait aussi les enfants au jardin, se préoccupait aussi beaucoup de botanique. Et donc la dernière salle du musée des arts métiers, qui est une salle qu'on découvre un peu sur le tard, en fait. Donc toute l'exposition est très homogène, et tout d'un coup, quand on passe la dernière petite salle, on est dans un jardin. Et on leur dit, oui, pour répondre à la question, on leur dit, voilà, la vision de l'exposition, c'est ça. Donc c'est un peu ça passe ou ça casse, hein. Là ça passe, ils étaient très enthousiastes et ça a plu tout de suite. Et des fois, on tape à côté. Mais ça, c'est parce que c'est le process habituel, c'est ça? C'est ce qui est demandé, oui, c'est ce qui est demandé par ces exercices d'esquisse. Ça oblige du coup à être, et d'ailleurs c'est pas plus mal, c'est d'avoir vraiment un parti pris assez poussé, quoi. Enfin, même peut-être un peu extrême des fois. Oui, ça oblige à se positionner très vite, parce que c'est des temps relativement courts, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on n'est pas spécialiste de ces sujets-là, et c'est peut-être aussi la qualité, c'est de ne pas être spécialiste de la didactique du XVIIIe siècle, ou de l'éthologie, ou de toutes choses. Donc on découvre le sujet, il faut s'en emparer, il faut tout de suite trouver des positions, et on peut s'enthousiasmer pour des choses qui, pour les commissaires, quand ils vont recevoir le projet, ils vont dire « Oui, on voit l'idée, mais là, il y a un contresens. C'est pas comme ça qu'on le voit. » Et des fois, on a envie de dire il aurait fallu qu'on se le dise. C'est pas comme ça que vous voyez. Mais les modes de consultation ne permettent pas ça. Oui. On rencontre les équipes, on leur donne le plan de salle, on leur explique un peu le projet, mais on ne fait pas une réunion avec le commissaire qui va tout nous dire. Si tu es dans un contexte hors concours, là, la manière de travailler est différente? Oui, alors ce qui peut se passer aussi, alors hors concours pour les marchés publics, ça n'existe pas en fait. Alors ça existe sur des montants de marché qui sont inférieurs. C'est 100% du travail de... Enfin, quand vous travaillez, c'est 100% de votre activité et sur ce type de projet? Oui, okay. Nous, à l'atelier, oui. 100% d'accord. De notre activité passe par des consultations. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, on a tapé juste sur la partie principale de l'exposition, sur un axe, et on nous dit, alors ça, c'est super, on vous a choisi pour ça, on adore. Par contre, le traitement de la deuxième partie, ou le traitement de l'intro, ou le traitement aussi de ça, alors soit on ne l'a pas fait parce que l'esquisse demandait de se focaliser... pas toute l'expo non plus en esquisse. Soit on l'a fait, on a tapé à côté, et là, effectivement, on commence le travail avec le commissaire, avec les chargés de projet, avec les conservateurs, de dire comment on corrige, ou comment tout simplement on fait le projet pour que ce soit plus juste, au niveau du sens,
Donc, parce qu'il y a le, donc le discours, le, donc, après il y a un retravail sur certaines parties, et quand vous faites la démarche, vous, c'est-à-dire que vous allez faire la proposition, et il va falloir tout de suite montrer des images qui soient suffisamment aussi séduisantes, j'imagine. Oui. Enfin, il y a bien sûr le concept. Oui, oui, Et aussi visuellement, il faut que ce soit suffisamment réaliste. Ah oui, on fait un métier visuel. Hein. Il faut absolument convaincre par. Alors, c'est vrai que j'ai mis aussi tout à l'heure dans le musée de la Galerie Guimet, au ouais. Confluence, les premières images que je montrais, synthèse, là, ces images de synthèse, ces images de concours. Qui sont assez, enfin, très réalistes. Qui sont très réalistes et le projet a peu bougé derrière. Donc, on voit la teinte qui est descendue, la teinte bois est plus sombre que sur les images de concours. Et si j'avais mis les images de concours de l'exposition qu'on a sous les yeux là, au Musée des Arts et Métiers, pareil, c'est assez proche en fait. Okay. Des propositions qui ont enthousiasmé assez vite, qui ont frappé assez juste. Encore une fois, ça nous arrive de frapper à côté, hein, je fais pas. Et effectivement, après le projet bouge dans certaines dimensions, les compositions de vitrines bougent, il y a plein de choses qui l'organisent. Mais sur ces deux projets notamment, on peut comparer les images de concours et les images du projet réalisé. C'est assez fidèle, c'est assez étonnant. Il y a un client qui nous a dit une fois d'ailleurs, sur un vernissage, qui nous a dit, mais c'est étonnant, votre exposition ressemble trait pour trait à ce que vous nous avez vendu. Bah, oui. Oui. Mais oui. C'est vrai que maintenant, avant, il n'y avait pas tous ces outils de représentation. Oui, voilà. Voilà, et puis elle évoquait ça. Alors, effectivement, il y a la représentation, mais il y a aussi le fait qu'un projet, s'il n'est pas complètement... accepté par le client, qu'il est remis en question, il peut se déplacer, il peut bouger. Le développement d'une exposition, c'est quand même quasiment un an. Pour les scénographiques, ça peut être moins, ça peut être 8 mois, 12 mois, parfois plus en fonction de la surface. Et pour le musée lui-même, à partir du moment où on a l'idée du programme et qu'on développe l'expo, c'est 2 ou 3 ans. Donc ça bouge. Ces expos-là, elles n'ont pas bougé, tant mieux, on avait le bon geste depuis le début, mais ça peut se déplacer. Alors il y a une question. Est-ce que vous faites parfois la partie muséographie ou est-ce que ça reste cloisonné entre les différents métiers? Ça reste assez cloisonné. Alors la muséographie, alors ce terme, il a différentes acceptations. La plus courante, celle que moi j'entends, c'est le muséographie, c'est les gens qui sont chargés de contenu, qui développent les contenus de l'exposition. Les muséographes, une association des muséographes d'ailleurs, ce sont des gens qui aident l'institution, donc le musée, à préciser les contenus, à choisir les éléments d'exposition, à choisir des films, à choisir des œuvres, à rédiger des textes. Donc voilà, donc, moi je ne le fais pas, ce n'est pas mon métier. Par contre, il arrive que dans les marchés publics, on nous demande de venir avec cette compétence. D'ailleurs, le scénographe, en général, répond à un marché public avec des métiers autour de lui. La plupart du temps, c'est le graphiste et l'éclairagiste du projet, à minima. Parfois, c'est le concepteur média. Parfois, c'est le muséographe, donc celui qui va vous aider, qui va aider le client à l'interface, à développer tout simplement les contenus de l'exposition, parce qu'il y a des musées qui ont ces compétences en interne et il y a des musées qui ne les ont pas, et donc il faut qu'ils choisissent aussi le prestataire pour ça. Donc, non, muséographe, ce n'est pas mon métier, j'en connais et je travaille avec, mais je suis scénographe. Oui, encore une question. Une question sur l'aspect économique. Par exemple, est-ce que les munitions mesures développées, type vitrine de la Galerie Guimet, sont des propositions très haut de gamme? Avez-vous dans les données d'entrée le budget à tenir et proposez-vous des options en fonction du budget? Alors, on a le budget, absolument. C'est une des données qui est primordiale quand on fait un concours. C'est de savoir quel est le coût d'objectif. On ne peut pas se lancer dans une scénographie sans savoir quel est le budget de réalisation. Parce qu'on peut, il y a toujours moyen de faire un projet, hein, c'est ce qu'on dit, on peut faire des projets modestes, on peut faire des projets coûteux, on peut faire des projets extrêmement coûteux, mais il faut placer le curseur en fait. On peut pas dire au musée, on va vous faire des vitrines de 3,60 m de long, avec un éclairage intégré, des fonds aimantés, je ne l'ai pas dit sur guillemets, mais toutes les collections sont soclées par aimantation sur des fonds métalliques. Donc c'est effectivement assez technique, c'est assez coûteux, et ce n'est pas des choses qu'on propose, je ne peux pas vendre ça si... Donc il faut le faire estimer, il faut le faire chiffrer, il faut être sûr de sa proposition, parce qu'on a une obligation de résultat. La phase concours nous engage, c'est ça qui est difficile parfois, c'est qu'une esquisse c'est une esquisse, tout n'est pas réglé, c'est quelques semaines de travail à peine. Et par contre, effectivement, il faut déjà savoir qu'on est capable de le faire, et que ça va vraiment ressembler à ce qu'on a vendu, et que ça va tenir le planning, et que ça va tenir le budget. Donc oui, on a la donnée du budget, c'est absolument indispensable de l'avoir. Parfois, il n'y est pas, donc ça, c'est
c'est un mystère. Il y a parfois des consultations qui sortent sans budget. Donc, on a la possibilité de poser des questions. On le réclame immédiatement parce que sinon, c'est très compliqué. On a plus de chances de frapper à côté quand on n'a pas le budget. Et pour répondre à la première partie de la question, à la fois sur les objets, ce que je disais tout à l'heure, c'est une vitrine assez, assez technologique. À la fois, en termes de positionnement, sur la galerie Guimet, c'est pas la vitrine haut de gamme non plus. C'est assez haut de gamme, mais on était dans une contrainte budgétaire quand même assez élevée. Donc on a fait au mieux, mais on peut vraiment avoir des vitrines avec des ouvertures pneumatiques, comment dire, on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus haut de gamme encore qu'à la galerie Guimet. Mais après, c'est plutôt dans la logique de maintenance du musée. C'est-à-dire qu'ouvrir une vitrine comme ça, en fonction de son niveau de technicité, ça peut être extrêmement facile, parce que tout est sur vérin, tout est pneumatique, etc. Ou ça peut être... c'est du confort, en fait. Visuellement, nous, on arrive à un certain niveau de prix, visuellement, on arrive à peu près à faire la même chose. Et après, c'est tout ce qui est derrière, en fait. C'est les lourdeurs, c'est les portes, c'est l'intégration, la qualité des lumières, la qualité des systèmes de contrôle hygrométrique. Il y a plein de choses qui ne se voient pas, mais qui font varier les prix de façon très, très forte. Merci beaucoup. Et ben, écoute, Serge, je te propose qu'on continue. Oui, on poursuit ta présentation. Alors, on arrive sur une espèce de zoom un peu, cette présentation, hein, usage des espaces, mobilier, matériaux. Évidemment, le matériau est un élément important, matière, matériaux, dans l'exposition, parce qu'il est, il est comme le reste, il est signifiant. Ou il peut l'être, on l'a vu avec la galerie Guimet, le bois, ce choix des matériaux bois qui est vraiment important. Et donc là, il y a deux ou trois exemples de choix de matériaux, un peu très orientés en fait, par rapport à la thématique du projet, et qui nous paraissaient importants parce que ça résonnait. Justement, ça permettait de résonner avec la thématique. Donc là, on est sur une exposition permanente, qui s'appelle Sous l'océan, qui est à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, qui est la petite exposition que le public fait après avoir visité le sous-marin Argonaut. On visite un sous-marin avec des écouteurs, et à la fin de la visite, on passe dans un espace de 170 mètres carrés qui nous parle de sous l'océan, de la colonne d'eau, de ce qui se passe en termes de biologie, de pression, de physique, tout un tas d'aspects de vie sous-marine, etc. Et donc, cet espace, il est, scénographiquement, était déjà un petit peu donné, les enjeux étaient posés, il est déjà cloisonné, c'était une reprise, en fait, une remise à jour de l'espace. Donc nous, on a fait le dessin de tous les mobiliers. Et donc on a installé ces meubles un peu comme des îlots, avec des horizontales assez marquées, des plateaux, des jeux de plateaux en 2-3 niveaux, gamme colorée dans des bleus. Donc c'est ce premier geste mobilier un peu fort, hein, qui structure tout l'espace, en fait. On a 4-5 mobiliers comme ça qui permettent de déambuler, d'aller d'une île un peu à l'autre. Donc ça, j'aurais pu en parler tout à l'heure dans la partie sur le mobilier. Mais ce qu'on a fait, le choix qu'on a fait pour le matériau dans ce projet, c'était une intuition, c'est de se dire, mais on avait des échantillons à l'agence de contreplaqués déroulés, des contreplaqués de résineux, donc de pin. Ils ne sont pas des contreplaqués tranchés, mais qui sont des billes de bois déroulées. Et quand on déroule une bille de bois, en fait, il y a une espèce de motif qui apparaît, de veinage de bois déroulé, qui est spécifique. Et on trouvait ça très beau, et on se disait que ça évoquait les courbes de bathymétrie, les relevés de fond d'océan, les choses comme ça, les courbes de niveau. Et on se disait, ce serait super si en fait on pouvait, au-delà du travail formel qu'on avait fait sur les tables, sur les plateaux, aller un poil plus loin avec cette matière qui n'est pas vraiment faite pour ça. Ce sont souvent des contreplaqués de coffrage ou autre chose comme ça. Et donc on a, voilà, on a proposé cette matière, on l'a fait teinter. Donc on l'a mis dans un cahier des charges qui a été pris par l'entreprise de réalisation, encore une fois, qui a fait des échantillons, etc. Et tout simplement pour obtenir cet effet-là, cet effet de courbe de bathymétrie, de profondeur, de vagues. Donc c'est du bois, alors il n'est pas teinté, il est peint avec une... On a fait plein de tests, en fait c'était vraiment pour le coup un travail de designer, quoi. On cherche une matière, on la détourne, on la transforme, on fait des essais... vernis, pas vernis, il est assez jaune le contreplaqué, donc il prend assez mal les bleus, parce que très vite ça fait des verts, donc il a fallu être un peu futé, être un peu malin, et au final c'est pas ce qu'on voit en premier à la proposition, évidemment. On a d'abord le travail formel, ce sont des mobiliers qui sont, on l'a vu, assez tranchés dans leur design, donc c'est vraiment ça qui saute aux yeux. Mais par contre, quand on est sur les textes, sur les manips, quand on est le nez dans ces plateaux et qu'on est en train de faire des choses,
On s'en aperçoit, on s'en aperçoit pas, mais on est environné de cette matière un peu bleue, un peu mouvante, qui est partout, qui est parfois en verticale, qui est parfois horizontale et qui accompagne le jeu de plateau par la texture. Donc c'est un travail qu'on fait pas tout le temps, mais voilà, quand l'intuition est là, quand l'envie de la matière est là, on a le, c'est pas, voilà. Si, ça c'est quand même un truc de designer, ben oui, la ressource de savoir où chercher, comment chercher, d'aller au bout, et la ténacité aussi, de dire on va vous faire un plateau bois dans un contreplaqué de coffrage, et on va le vernir, et ça va être costaud, etc. Alors après on a vu sur une image, voilà, on ne peut pas l'imprimer par contre, donc tout ce qui est texte rapporté, ça a été fait autrement, par des rajouts, etc. Donc il y a des contraintes, il a fallu les argumenter, il a fallu convaincre pour aller au bout de l'idée, mais c'était un geste important, c'est un geste qui nous plaît en fait. On cherche oui, ça participe au discours. Oui, voilà, alors là effectivement, on est en train de descendre sur des échelles de sensibilité, donc on s'éloigne du geste spatial, au geste mobilier, des grands enjeux de la scénographie qui sont premiers, mais voilà, nous dans notre travail on est persuadé qu'il y a des enjeux à tous les niveaux en fait, et que la matière, c'est la démonstration que j'essaye de faire, enfin démonstration. C'est que voilà, il y a des registres en fait. Oui, puis c'est ce qui est le côté aussi qui est chouette, enfin dans ce métier, c'est de pouvoir faire de l'expérimentation, puis de, ouais, de, voilà, de c'est vraiment se faire plaisir aussi. Exactement, d'aller en matériothèque, de chercher des choses, de commander des échantillons et de se projeter, de se dire. Et après, là, je vais montrer évidemment les cas où c'est allé au bout et ça a marché, mais il y a plein de situations où le matériau, il est trop cher, ou il n'est pas adapté, ou il n'est pas classé au feu. On est quand même aussi, dans les expositions, on a aussi beaucoup de contraintes sur les établissements publics. Donc, on a les contraintes de normes feu, de classement, etc. Pardon. Et donc, il y a plein de matériaux qu'on aimerait bien utiliser, mais qu'on ne peut pas. Donc, il y a une petite frustration parfois, mais on y arrive. On arrive sur un autre exemple à la Cité des sciences et de l'industrie, exposition Métamorphose, qui est ouverte en ce moment. Jusque, je ne sais plus quand, mais encore un long moment, elle vient d'ouvrir. Donc la thématique de l'exposition, c'est métamorphose et transformation. Et donc évidemment, on se disait, mais il y a sûrement quelque chose à faire. Alors il y a un travail scénographique, de mise en espace, de design. C'est un design qui est très marqué, c'est une exposition qui est très ludique, c'est une exposition jeune public, 6-11 ans, et qui s'appuie vraiment sur du design mobilier, très dessiné, parfois très, très signifiant. On a une partie qui s'appelle la fête foraine, on a vraiment des meubles qui ressemblent à une fête foraine, avec des rayures, des couleurs, etc. Donc c'est un travail de design pour le coup très décomplexé, mais qui répondait vraiment à une attente de la cité sur cette exposition. C'est une exposition itinérante aussi, donc ça, on en parlera tout à l'heure sur un autre exemple, mais ça veut dire aussi que tous ces mobiliers, ils ont plusieurs vies en fait, ils vont exister à la Cité des sciences, puis vont être démontés, transportés, remontés ailleurs, etc. On avait cette volonté de se dire, mais métamorphose, il faut qu'on trouve des matières qui changent, qui sont changeantes, qui sont variables, qui changent d'aspect en fonction du mouvement du visiteur, la façon dont on se place, l'impression qu'on passe à côté d'un meuble, et puis on se dit, tiens, mais il s'est passé un truc là, il y a un reflet qui a changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc on a fait ce travail, donc voilà, je prends cet exemple. Dans ce projet, je pourrais parler de plein de choses, et de l'organisation spatiale et des mobiliers, du côté ludique et tout. Là, je suis sur le matériau, donc je vais me contenter, entre guillemets, de raconter ça. Il y a des surfaces dans cette exposition qui sont variables, qui sont changeantes. On a travaillé avec des textiles, avec des doubles couches de textiles en résille pour faire des effets de moirage, qui sont assez discrets, mais comme sont des cyclos assez enveloppants, quand on se met dedans, quand on en sort ou quand on arrive, tout d'un coup on peut avoir l'impression que le mur il bouge un peu. On a travaillé les effets de sol aussi. Alors là, c'est un matériau qui existe, hein, qu'on a sourcé, c'est un sol plastique de chez Bollon, qui est un sol qui est composé de fils vinyle recyclés, et il y a des fils de couleurs dans ce sol. En fait, il y a du bleu et il y a du rose sur un fond noir, et donc le sol paraît violet, optiquement il paraît violet. Donc ça, déjà, c'est un effet de métamorphose, quelque part. Et en plus, dans la forme du tissage, il y a des moirages, des espèces de moires. Et donc, c'est un sol qui, au niveau de la perception, est extrêmement curieux, en fait. De loin, il est bizarre, il bouge un peu. Et en plus, dans cet espace-là, on chausse des lunettes un peu spéciales qui déforment un peu le regard. On fait une expérience un peu étonnante en termes de sensations. Et on a accompagné ça par ce traitement spatial.
Et puis, on a des cloisons semi-transparentes. En fait, c'est des univers très marqués, cette exposition, la forêt, la fête foraine, l'espace sur le corps, etc. Il y a parfois des éléments de cloisonnement qui ne sont pas des cloisonnements visuels. Le regard passe à travers, comme ça, on peut embrasser l'expo plus que petite section par petite section. On a le paysage qui s'ouvre un petit peu, mais on a le regard qui est arrêté par des films dichroïques ou des films texturés qui ont des effets un peu particuliers. Avec des phénomènes de reflets, donc des phénomènes de superposition. On a la colonne de la fête foraine qui vient se placer au milieu de la forêt. Ces phénomènes-là, ils bougent en fonction de la position. Donc c'est vraiment dans les déplacements, dans le fait d'être en mouvement dans l'exposition que l'effet se crée. Et puis un dernier exemple sur le matériau, qui est une exposition à l'écomusée de la Bintinée à Rennes. C'est une exposition qu'on a vraiment, c'est une référence qu'on aime énormément, qui s'appelle Mes années 70, clichés de campagne. C'est une exposition sur le virage des années 70 dans ce pays rennais pour une génération. Je suis toujours un peu obligé d'expliquer les propos et les sujets parce que sinon on ne comprend pas. Donc c'est toujours un peu long, mais je vais essayer d'être synthétique. Donc c'est la première génération, cette génération d'enfants des années 70, par l'ouverture au monde, par les médias. Qui ont senti que, voilà, fils d'agriculteurs, d'éleveurs, ils se sont dit, faut-il reprendre le métier, faut-il rester ou faut-il partir ? Avant, on n'avait pas tellement le choix. Et là, tout d'un coup, mai 68, un vent de liberté, les médias, la radio, la culture américaine, etc., on nous dit, mais il y a un autre monde ailleurs quand même. Et donc, l'exposition relatait ça à travers beaucoup de photos anonymes. En fait, le corpus de l'exposition, c'était beaucoup de... une collecte de photos, donc le commissaire d'exposition Michael Liborio a fait un travail de collecte extraordinaire, mais c'est des photos, c'est pas des photos artistiques, c'est vraiment des photos anonymes de monsieur et madame tout le monde, couplées à un certain nombre d'objets issus de la période, des disques, des électroménagers, plein de choses, et couplées aussi à des témoignages audio, ça on va revenir après. Et donc là on voit le plan d'exposition, ça c'est une image de concours qu'on évoquait tout à l'heure. Et on avait l'intuition, il y a beaucoup de projections aussi, beaucoup de sources d'archives dans ce film, des extraits de télévision, et l'image animée, l'image est très présente dans cette exposition, on va le voir, mais l'image animée revenait régulièrement, on voit les quatre coins de l'exposition avec des projections, et on est baigné un peu dans ces extraits d'émissions de télé, de prises de parole politiques, de jeunes qui s'expriment, on est dans cette parole d'une génération qui a envie de s'exprimer et qui se cherche. Et donc, tous ces espaces vidéo, on les a faits en détournant des plaques de polycarbonate extrudées, alvéolaires, qui sont des matériaux de couverture, de hangars agricoles, de choses comme ça. Donc, ça résonnait aussi, évidemment, avec le pays rennais et puis ce terroir agricole, d'éleveurs et de cultivateurs. Et donc, dès l'entrée de l'exposition, ça c'est la première simèse avec le titre de l'exposition, mais 70, et puis un film d'époque, on voit une jeune fille qui s'exprime sur ses rêves, sur comment elle se voit, etc. On fait ces projections sur ce matériau, et on est tout de suite dans cette image de la télévision cathodique, avec le balayage. Ça fait des images un petit peu floues. Alors déjà, les sources ne sont pas HD, on est sur des sources d'époque. Et en plus, par le matériau, la translucidité, le fait que l'image est visible des deux côtés avec une espèce de déformation, on trouvait que l'esthétique était assez appropriée et que ça donnait une présence particulière à ces images. Et comme le matériau recto verso, on a ces images qui sont toujours présentes un peu dans la périphérie de l'exposition. Mais par contre, pour avoir le son et pour aller dans le témoignage, il faut passer de l'autre côté, il faut aller dans le cube, en fait. Donc ça, c'est un peu le détournement matériau, le geste matière qui fait que... qu'on est quelque part dans une évocation de la période, et puis l'évocation, de toute façon, elle fonctionne parce qu'il y a tous ces objets et que ça dit années 70 le plus possible. Et donc, la seconde utilisation qu'on a fait du matériau, c'est parade centrale de l'exposition. On a une voiture qui est garée au bout, une chambre d'adolescent de l'autre côté, et on a un déversement d'objets qui sort du coffre de la voiture et qui remplit la maison. Symboliquement, c'était un peu ça l'idée. Et donc, il fallait les faire voler un peu, il fallait les mettre en scène comme ça. Donc on a proposé ce matériau pour rester cohérent avec le reste de l'exposition, et donc ça a été un super défi de soclage pour les socleurs internes des musées de Bretagne, qui nous ont regardé de travers au début, et puis qui se sont enthousiasmés et qui ont fait un travail de soclage mais remarquable. On voit
à peine les socles, il y a encore 4 minutes. Oui, ce que tu appelles soclage, c'est... Voilà, ce qu'on appelle soclage, ce sont toutes les petites tiges métalliques, les petits... Comment on installe un objet. Voilà, en fait. Comment on fait tenir une cocotte minute qui fait plusieurs kilos sur un panneau de polycarbonate... Sans que ça se voit. Sans que ça se voit, sans que ça se torde, sans que ça tombe par terre, etc. Donc, c'est des petits jeux de tiges, de platines, de petites vis, de griffes, etc. Qui est un travail sur mesure, unique à chaque objet. Quoi. Il faut le faire à chaque truc. Et d'habitude, on fait ça sur des parois en bois. On a vraiment des ancrages un peu solides. On peut percer, on a de l'épaisseur, on a un matériau qui se tient, qui a de la structure. Polycarbonate alvéolaire. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et donc, il y a les astuces. Ils ont trouvé, ils ont été très réceptifs à l'idée. Et nous, il a fallu convaincre et les convaincre que c'était la bonne idée. Et donc sur ces matériaux, parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a des matériaux qui sont vraiment plutôt, on va dire, structurels, qui sont là pour assurer les aspects techniques. Et puis tu as des matériaux qui apportent vraiment un discours. Alors dans l'exposition là, de la Villette, je ne sais plus son nom, Métamorphose. Ouais. Où là, c'est quasiment tous les matériaux participent. Il y a une gratuité un peu là, c'est pour ça que je parlais d'expo un peu décomplexé, c'est que le curseur est placé très très haut là dans Métamorphose sur l'univers visuel, formel, coloré, ça déborde quoi. Toutes nos expos sont pas comme ça, l'atelier Snoop. Ça on l'assume parfaitement. Et effectivement, donc il y a la couleur, il y a la lumière, j'en ai pas parlé, mais dans Métamorphose, il y a énormément de lumière colorée aussi. Donc il y a des matériaux qui sont en couleur, qui reçoivent des lumières colorées, donc ça fait encore des déformations, des choses qui bougent tout le temps. Et la couche supplémentaire donc de l'intérieur que j'ai évoqué, elle en ajoute encore. Et ceux-là, ils sont gratuits, ils ne sont pas structurels, ils ne sont pas techniques, ils ne reçoivent pas de contenu, ils ne sont pas imprimés, ils ne sont pas support de texte, ils sont pas du rien. Ils sont gratuits dans le message, mais par contre, c'est les matériaux les plus onéreux, j'imagine. Oui, quand je dis c'est gratuit, je vais à l'encontre de ce que je veux dire aujourd'hui. Ils ne sont pas gratuits, ils participent pleinement de l'expérience de visite et c'est absolument ce qu'on veut faire. Et ils ne sont pas gratuits, si la question c'est ça, ils sont. Non, ils ont un coût. Parce qu'en plus, il y en a qui sont des films adhésifs ou des textiles, ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Hein, mais il faut maîtriser ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on peut s'enthousiasmer sur d'autres matériaux. On a vu des choses, des matériaux réactifs. Branchés, connectés avec des miroitements, des choses numériques, etc. On s'est enthousiasmé sur des choses comme ça. Et puis, il faut rester dans une économie de projet. Et quand tu as besoin de sourcer des matériaux qui sortent de l'ordinaire, tu fais appel à des prestataires. Ouais, et ben là, on était pour Métamorphose, on a passé une après-midi entière chez Matériaux. On les connaît bien. Là, ouais. Quentin Yersinger. Yersinger, je ne sais pas comment on dit. donc on est passé l'après-midi chez eux, fouillé partout, on est revenu avec 80 images, et sur les 80 images, après avoir appelé les fabricants, vérifié les disponibilités, les coûts, le truc qu'il faut acheter 12 palettes et que tu n'en as pas besoin, etc. Voilà, la collecte elle se réduit, mais c'était... c'est ce qu'on aime faire. On fait avec plaisir. Je me doutais que c'était avec matériaux. Alors, je passe une petite information, parce qu'en fait, nous, on va mettre en place à l'Université Paris-Saclay une matériothèque. Donc, on va emménager au Lumen. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en début de présentation, mais on va emménager au Lumen. Donc, les prochaines conférences sont faites au Lumen. Et dans cette... donc, c'est le Learning Center de l'Université Paris-Saclay. Et en fait, on va installer une matériothèque. Donc, on n'aura pas autant de matériaux que chez Matériaux avec un O. Quentin nous accompagne sur la mise en place de cette matériothèque, parce qu'on trouve aussi que c'est indispensable de mettre ces outils-là à disposition absolument. Du public de Saclay. Quoi. Absolument. Il faut observer. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait, parce qu'on n'utilise pas nécessairement les matériaux dans leur destination initiale. On est dans ces problématiques de détournement, d'évocation de sens. Il faut absolument, il faut toucher, il faut voir, il faut tester. Là, les projections sur polycarbonate, on en a fait avant de comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas. Ou de comprendre qu'en gros, ça ne marchait pas, que l'image allait se dégrader, que déjà, on avait une source qui n'était pas géniale et qu'en plus, on allait la dégrader, mais qu'on allait la dégrader pour un effet scénographique qui plaisait à tout le monde, en fait. Y compris au musée, y compris au Donc il y a eu un ajout d'un film, peut-être d'un film. Ouais, à un moment, il y a quand même eu un ajout d'un film pour avoir un petit peu plus de netteté, en fait. Donc, côté passe un peu moins à travers. On retrouve le côté expérimental qui est vraiment... Qui fait partie de notre développement à nous, mais c'est important, ce sera dit dans cette partie technique-là, c'est important de le porter auprès du fabricant. Non pas que le fabricant il n'a pas envie ou qu'il n'est pas capable de le faire, mais il faut... Une fois que le client est convaincu, ensuite il faut que le fabricant il puisse
et y aller aussi de bon cœur. Ouais, alors y aller de bon cœur, je ne mets pas en cause le bon cœur des fabricants, mais il faut qu'ils s'appuient sur le travail qu'on a fait et qui permet de gagner du temps et de se dire ça marche pas, on va aller là. Il reste du développement, il reste des choses à solutionner et ils vont le faire de bon cœur. Mais si on n'a pas fait tout ce qu'il y a avant, si on leur dit juste on voudrait que ce soit comme ça. Et là, voilà, ce qui leur reste à faire sur leurs épaules devient trop important. Et oui, là, c'est vraiment aussi, enfin, de toute façon, il faut aussi une co-construction avec eux. Et c'est vraiment un travail ensemble, tu vois, pour arriver au bout de l'idée, quoi. Super, et donc là, on peut passer aux aspects techniques. Et on peut partir donc à ce technique, je suis toujours dans mon Zoom. Je fais le lien avec le projet sur lequel on était. On a vu dans ce projet, j'ai parlé des dispositifs images et tout, mais on a vu surtout des îlots au centre d'exposition avec des images en suspens, cette collecte d'images que j'évoquais tout à l'heure, des images anonymes, des films, quelques objets aussi. Et ces objets, ils n'ont pas une valeur muséale, en fait. Ce n'est pas des collections, ce n'est pas des objets de musée, ils n'ont pas de valeur particulière, ils ne font pas partie des collections du musée. Ils sont utilisés pour cette exposition, après ils seront rendus. Et donc là aussi, on se disait, mais en fait, il ne faut pas les présenter dans un statut d'objet de musée encadré ou avec une vitrine ou dans une vitrine table. Il faut leur trouver un statut particulier, il faut les mettre en scène pour ce qu'ils sont. Collecte d'images qui a le mérite de nous plonger dans un univers visuel, de souvenirs qu'on ne sera pas capable d'interpréter. Il y a énormément de photos qui sont des souvenirs de personnes, des photos de kermesse, des photos de famille, des photos de jeunes en train de jouer au baby-foot ou de faire une fête. Et ça n'a pas de valeur scientifique, ce n'est pas l'objet de musée tel qu'on a l'habitude de le voir. Et donc on avait imaginé ces nuages, un peu ces compositions un peu flottantes d'images qui se marchaient les unes sur les autres, où on se disait c'est pas grave si on n'a pas dans une visibilité exacte de l'image comme on le fait d'habitude dans un musée. On peut s'autoriser ça. Et là le musée aussi, il était hyper enthousiaste avec ça, et surtout ces îlots, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'expo était beaucoup appuyée sur les témoignages audio, des témoignages qu'on a fait réenregistrer, des témoignages de gens qui ont vécu cette période, qui ont été interviewés par le commissariat. Et ensuite, il y a des jeunes comédiens qui ont réinterprété ces paroles pour que les voix qu'on entend dans l'expo soient vraiment des voix de jeunes gens qui nous disent « Eh ben moi, je ne voulais pas reprendre la ferme de mes parents, ça ne m'intéressait pas, je suis parti à Rennes, j'ai fait médecine, machin, etc. » Et donc, en fait, on a les yeux dans ces images, mais en fait, en vrai, on est dans un son, on est dans des témoignages de gens qui nous disent « C'est quoi cette période pour eux ? C'était quoi leur lutte ? C'était quoi leur préoccupation ? Pourquoi ils ont fait des manifestations ? Pourquoi ils ont défendu les Bretons ? Pourquoi ils ont refusé l'autoroute ? Pourquoi ils ont refusé les centrales, etc. » Et donc voilà, on voulait chercher une autre manière de donc voilà, on avait cette idée, tout le monde était super d'accord avec ça, c'est juste que c'était un enfer, quoi. C'était ça paraît très simple, et en fait c'est super compliqué de mettre des images sur des tiges, de les régler, d'inclure les haut-parleurs, de passer les câbles dans les tiges, de les faire remonter vers les écrans, vers les sources sonores. Il fallait calpiner toute la position des tiges, calpiner toutes les orientations des images, régler les hauteurs de tout. Pour l'entreprise qui le monte, c'est-à-dire qu'il y a un imprimeur qui arrive avec toutes ces plaques d'images, il y en a plus de 250 dans l'expo, et il doit toutes les mettre au bon endroit, à la bonne hauteur. L'expo était à Rennes, je passais sur le chantier régulièrement, mais je n'étais pas là tous les jours, quoi. Donc c'est une somme de documents, de réglages, de modélisation 3D, c'est une belle idée, mais qui a été on est très fier de l'avoir réalisée, mais c'était un enfer de développement à faire, non, c'est pas vrai, mais une grande complexité. Et donc je dis, voilà, des techniques, maîtrise des matières, des rigidités, maîtrise de la proposition technique, ça c'est vraiment un truc de designer, quoi. Pas exclusivement, encore une fois, le propos c'est pas de dire on est seul à savoir faire ce qu'on fait, mais voilà, le savoir-faire permet ça, permet d'aller, et ce que je disais à l'instant, si on n'est pas capable, dans le développement du projet, d'assurer la faisabilité technique, de décrire la faisabilité technique, on peut la rejeter ou la passer le flambeau au fabricant en lui disant « on a l'intuition, ça devrait marcher, vas-y ». Mais en réalité, voilà, si on veut vraiment maîtriser ce qu'il y a à faire, il faut décrire, il faut faire des plans, il faut trouver la solution technique, il faut réfléchir déjà, on passe les câbles, comment c'est stable. Il y a un lustre, on voit ces espèces de lustres là, qui sont très importants, qui font une réponse visuelle avec la platine basse dans un univers formel un peu à 70 comme ça. Il faut le suspendre, c'est les gros objets qu'on voit là qui sont équipés au sol avant d'être montés et suspendus. Et il faut le faire avant de mettre les tiges au-dessous, parce que sinon on ne sait pas le faire. Il faut amener la mobilette avant de mettre les tiges et placer toutes les images. Donc c'est toute une logique de calendrier aussi, de montage, pour que les objets qui d'habitude arrivent après, quand on a fini l'agencement, là il faut qu'il arrive avant celui-là. Donc voilà, c'est
plein de réglages, plein de détails, et voilà, pour obtenir cet effet qui était vraiment celui qu'on voulait, quoi, et qui était le cœur de la déambulation. On passait d'un îlot à un autre, j'avance un petit peu, et on voit donc sur l'image à droite, en fait, la petite pièce technique, petite pièce de réglage, qui est un peu assumée, qui est vraiment une pièce technique, on la voit tout le temps, de dos, là, c'est une petite vis sur la tige, et donc elle a un coup, c'est un petit détournement aussi industriel, et c'est cette pièce-là qui permet de faire en sorte que le montage il est possible, quoi. On prend une clé Allen et on re-règle tout, on remonte, on redescend, on remplace une image par une autre parce qu'on pensait que ça marchait mais ça marche pas. Voilà. On accroche un plat en inox, un truc de cadeau de mariage de ces années-là qui était hyper récurrent. Voilà, maîtrise technique, c'est super important. Des bons souvenirs, pardon. Ouais, très très chouette projet, hein. Très, très, très belle équipe, ouais. Michael, Philippe. Et après, c'est vrai qu'on se projette, mais il y a toujours des choses qu'on n'anticipe pas. Enfin, on ne peut pas tout anticiper. Et puis des fois, mais puis si on veut aller vers des choses nouvelles, ouais, des fois, il faut prendre un peu de risque. Ouais. Il faut que j'accélère un peu, je ne sais pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il nous reste un quart d'heure. Ah ouais, ouais, j'arrête. là, donc. Une petite exposition au musée Jules Verne à Nantes sur le 150e anniversaire du Tour du Monde en 80 jours. Une exposition qui présente l'œuvre de Jules Verne, le roman, la pièce de théâtre en fait, parce que c'était une pièce avant d'être un livre. Et beaucoup d'objets, parce qu'en fait, c'est un succès énorme cette pièce et ce livre, et beaucoup d'objets dérivés déjà pour l'époque, des jeux de loi, des puzzles, des plaques de lanterne magique, etc. Donc, tout un univers visuel très 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 riche dans cette exposition qui dépasse vraiment l'œuvre littéraire. Et le musée Jules Verne, c'est un musée assez modeste, qui est dans une maison particulière, avec une lumière du jour, des fenêtres, c'est vraiment une maison, quoi. Grosse maison, mais c'est une maison. Et on a fait cet objet, qui est un espèce de grand vitrail qui prend place devant une baie vitrée, donc ouais, c'est vraiment l'effet de vitrail, et qui rassemble en fait quasiment toute une partie d'iconographie de l'exposition, donc des illustrations, des gravures, des photos, des adaptations cinématographiques des années 80, etc. On a fait cet objet qui nous paraissait important, parce qu'en fait, l'exposition prend place dans le parcours permanent. Donc c'est difficile de signaler qu'il y a une temporaire alors qu'on est dans la visite d'un espace permanent. Et donc il fallait un objet un peu phare, un peu manifeste pour faire ça. Et donc on a imaginé ce vitrail, et là, pareil, c'est une belle idée qui a besoin... C'est le même argument que tout à l'heure, d'être développé, de chercher la meilleure manière de le faire, léger, sans s'appuyer, voilà, sans percer, sans abîmer le bâtiment, avec un travail graphique. Notre graphiste sur ce projet, Tristan Maillet, qui a vraiment utilisé tous les codes du jeu de loi, du parcours autour du monde en 80 jours, hein, connaît le roman, cette espèce de succession de moyens de transport autour du monde, etc., de faire un objet qui n'était pas demandé, qui n'est pas dans la liste d'œuvres. En fait, le musée ne nous a pas demandé de faire un vitrail pour cette exposition. On avait envie d'un objet. Je crois qu'il y a juste ce besoin, cette envie de l'objet. Je sais pas si c'est un truc de designer aussi. J'enfonce le clou. Mais voilà, on avait envie que quand on arrive dans cette salle, tout de suite, on soit dans cet univers des objets dérivés, du jeu de loi, la multitude des images, les couleurs de ces éditions d'époque, les couvertures des livres et des ailes. Et voilà, avec un petit effet aussi de manipulation de lanterne magique, une petite lanterne magique qui projetait son image sur le centre du vitrail et qui permettait une manipulation de visiteur aussi acteur. Donc voilà, même chose, une envie d'objet mais qu'il faut maîtriser. Et en fait, cette intuition-là, elle est devenue le geste scénographique et graphique de toute l'exposition, c'est-à-dire que Tristan Maillet, le graphiste, a développé tout un univers des titres, l'affiche, c'est l'affiche qu'on voit à droite, là, qui était basée sur ce système, qui est né en fait, de cette envie de faire un vitrail, en fait, qui a guidé ensuite tout le reste du travail scénographique et graphique. J'arrive sur un cas un peu particulier, qui est l'exposition itinérante, puisqu'on a la partie technique, on est en train de dire il faut maîtriser les propositions techniques, les matériaux, les montages et démontages, et ça prend une dimension accrue quand on est sur des problématiques d'exposition itinérante. Donc là, c'est l'exposition Mini-Monstre qu'on a conçue pour le musée des Confluences à Lyon en 2019, qui vient de s'achever au musée d'histoire naturelle à Paris et qui, depuis hier ou avant-hier, est ouverte à Bordeaux, à Cap-Sciences, musée des sciences de Bordeaux. Donc cette exposition, elle a plusieurs vies. Elle est entièrement démontable. Elle voyage en conteneur et elle est remontée de l'autre côté. Et elle est paradoxale parce qu'en fait,
C'est une exposition donc, sur toutes les petites bestioles qui vivent sur nous, les puces, les poules, les tiques, les acariens. C'est une exposition pour le très jeune public, vraiment une exposition pour enfants, donc qui est appuyée sur, sur une volonté de faire un grand décor, quelque chose d'assez immersif et quelque chose de démesuré, hein, vraiment cette posture de dire, en fait, on est rapetissé, on est à l'échelle de ces mini-monstres. Un acarien de 4 mètres de haut face à nous, on va pouvoir passer au travers, on rentre dans l'exposition sur un crâne, un cuir chevelu avec des cheveux énormes, on croise un pou, un peigne à pou, etc. Donc c'est vraiment une dimension de décor gigantesque et qui pourtant est une expo itinérante, donc il faut absolument là aussi maîtriser les systèmes constructifs, les principes d'assemblage et de démontage réversibles pour aller au bout du concept, quoi. On voit le plan de l'exposition à Lyon et on voit le plan à Paris. Donc c'est deux salles complètement différentes. À Paris, on est dans la galerie de minéralogie, géologie minéralogie, qui fait 6 mètres de large et 100 mètres de long. Donc l'exposition est complètement reconfigurée, il faut la retravailler complètement. Et c'est sa conception qui permet ça. C'est le fait que non seulement c'est techniquement démontable, mais elle est en partie qui peuvent aussi se mettre ensemble ou pas. On voit par exemple que l'acarien géant, là, il a des alcôves entre les pattes, dans le plan, là. Et quand on arrive à Paris, en fait, la salle n'est pas assez large, on ne peut pas le faire, en fait. Et donc, on met l'acarien devant, on met les quatre alcôves derrière, elles sont autoportantes, ça tombe bien, c'est bien fait. Et voilà, et donc on peut se permettre, donc ces alcôves-là, là, dans lesquelles, on voit là, on est à Lyon, donc on voit qu'on a l'acarien juste derrière nous, on tourne autour et on rentre dedans. Là, une autre partie sur les microscopes, c'est encore cette idée d'un décor un peu gigantesque. Même argument que tout à l'heure, hein, à droite, c'est ce qu'on fait nous. À gauche, c'est ce qu'on fait nous, c'est le développement qu'on fait nous sur... La préfiguration de ce que ça vraiment, peut être en termes de conception. Ouais, vraiment le côté modulaire, quoi, la conception modulaire de l'exposition. À droite, c'est les plans du fabricant, c'est matière à penser, encore comme tout à l'heure, qui va définir vraiment tous les assemblages, toutes les fixations, les cornières, etc. Mais typiquement, les cornières, nous, on les a anticipées, on les a même dessinées, comme on savait que les cornières, elles allaient être apparentes et qu'on allait les voir. On les a découpés dans une forme un peu particulière pour qu'elles participent du design. Et le matériau, c'est quoi, en l'occurrence ? Alors là, c'est du médium, c'est du MDF, okay. Donc c'est pas le matériau le plus vertueux du monde, oui. mais voilà, en fait, il est brut et la couleur, elle vient par la lumière, en fait. Donc d'une expo à l'autre, on peut aussi, là, il est plus orange à Paris qu'à Lyon, il était plus rose. C'est aussi des volontés de s'adapter au parquet. En fait, à Lyon, on était sur un sol très sombre. À Paris, dans la galerie minéralogie, il y a un parquet. Donc, il y a aussi des choses qui s'ajustent, qui bougent. Et donc, on voit à Paris, effectivement, l'acarien, il n'a plus ses alcôves autour de lui dans ses pattes. Là. Il n'a plus ses enfants. Il est tout seul, autoportant. Et derrière, dans un déploiement comme ça, très linéaire. C'est ça qui était bien dans cette version parisienne. Je ne sais pas à Bordeaux comment elle est remise en forme, mais c'est qu'il y avait un côté très, très, très successif, en fait, très, très linéaire, 100 mètres de long, donc il y a des effets de découverte. Il y a une perspective. Oui, une perspective qui allonge, et donc une fois qu'on l'a fini avec l'acarien, tout d'un coup, on est face à un microscope géant et ses quatre tables autour, et on ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière, puisque la salle ne le permet pas. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les reconfigurations. Alors là, j'étais sur l'argument technique, mais sur l'argument scénographique, c'est qu'effectivement, l'expo, c'est à la fois la même et à la fois... Elle change complètement. Je vais faire un passage rapide sur une compétence qu'on a aussi et par laquelle on est arrivé à la scénographie, c'est la conception de ce qu'on appelle les manips. C'est des dispositifs, didactiques, ludopédagogiques dans les expos, vraiment les dispositifs qu'on peut toucher, sur lesquels on peut agir, on peut manipuler. On en fait beaucoup. Alors je passe rapidement dessus parce qu'en fait, en réalité, pour le coup, c'est vraiment une compétence de designer, quoi. Mais qui est reconnu comme tel, c'est-à-dire que dans les marchés publics, on ne demande pas au scénographe de faire les manips, parce qu'on sait que pour le coup, c'est pas son métier, c'est un métier designer. Nous, il se trouve qu'on le fait, on fait les deux, et ça nous permet une approche globale, ça nous permet de mieux maîtriser l'intégration des manips dans nos scénographies, puisqu'on fait les deux. Mais voilà, c'est pas un argument de dire quel est l'apport du design à la scénographie, les manips, non, pas exactement. Les manips, c'est un truc de design qui peut être fait indépendamment. Mais on en fait beaucoup et c'est un exercice d'ergonomie sur des choses très simples, des choses, des puzzles, des loops, des effets d'optique, des choses à construire, des choses avec des effets mécaniques,
mécanique simple, des glissières, des tiroirs, des trucs optiques. Enfin, il y a tout un registre dans l'exposition, enfin dans les possibilités de manip, jusqu'à des choses plus complexes, des mécaniques un petit peu plus complexes. On a un flipbook. Alors, c'est pas complexe un flipbook en soi dans l'exposition Métamorphose, mais un flipbook utilisable par des enfants de 6-11 ans sur des périodes d'exposition de 9 mois renouvelées sur une version itinérante. Il faut des systèmes mécaniques extrêmement costauds, extrêmement complexes et coûteux aussi pour le coup. Et donc là, on est vraiment dans le développement d'ergonomie, de technique. On est au cœur de notre métier de design. On aime vraiment beaucoup faire ça. Et ça peut aller jusqu'à effectivement des choses qui sont plus hybrides, qui mêlent du média, de l'interaction entre des capteurs de rotation, des microscopes USB, là en l'occurrence. On déplace des échantillons sous un microscope USB et on observe, c'est dans minimum, c'est ça. Avec un emplacement, on s'est dit à un moment, c'est marrant si on peut mettre sa main, en fait. On libère un emplacement, on met sa main, on met son téléphone, on met un ticket, on met ce qu'on veut et on, voilà. On va observer ça. Et jusqu'à des propositions hybrides qui incluent du média, des capteurs rotatifs. On est sur Argonaut à gauche, là, exposition Argonaut. Il y a une manip qui permet de descendre dans la colonne d'eau et de croiser différentes espèces animales ou humaines, etc. Et donc, voilà, c'est des ergonomies assez simples, des choses assez intuitives, mais c'est des développements complexes qui sont épais, qui sont un peu faciles. Et alors, on avait dit qu'on parlait de ça parce que c'est important et qu'on terminait là-dessus. Alors, avec un point d'interrogation, éco-conception, effectivement, on cherche tous à maîtriser mieux l'empreinte carbone des choses qu'on produit. Enfin, en tout cas, l'éco-conception. C'est présent dans le travail de scénographie depuis plusieurs années. C'est demandé par les musées. On demande d'avoir des idées, d'avoir des solutions pour ça. Et donc j'ai quelques exemples de ça. C'est un peu le... Mais ça change, en fait. Ce que je veux dire, c'est effectivement, on est déjà actif, on a des propositions là-dessus, sauf qu'effectivement, il y a une vitesse à passer, probablement, là. Et il faut organiser. Des manières de faire probablement différentes. Aujourd'hui, effectivement, l'exposition est capable de limiter le type de matériaux qu'on emploie. Alors, par définition, il y a quand même quelque chose de paradoxal, il faut le dire, c'est qu'une exposition, a fortiori temporaire, même si elle est itinérante, il y a temporaire dans le nom, donc sur l'idée de pérennité, de durable, oui, développement durable. Alors, c'est pas, ça dédouane pas de tout, mais évidemment. C'est vrai que l'impact environnemental, la durée de vie est un élément essentiel pour fondamental pour réduire l'impact global de la solution. Donc on essaye, nous, principalement en scénographie, de limiter l'emploi de matériaux et de maîtriser les coûts énergétiques liés à la production de ces matériaux, à leur transport, à leur mise en œuvre et à leur fin de vie, quoi. Où et quand se situe la fin de vie de ces matériaux. Donc là, c'est plutôt des choses qu'on fait ponctuellement, parce que dans une exposition, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il faut, il faut construire, il faut faire un paysage, la salle, elle est vide, quoi. Et typiquement, dans une exposition comme Métamorphose, où en plus, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de collection dans Métamorphose, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas d'objet, donc il faut, l'exposition repose quand même sur son environnement scénographique. Alors, on utilise du papier, par exemple, on le voit, là, les gros volumes en haut des arbres, là, qui font tout le feuillage de la forêt, c'est comme les petits cocktails qu'on a sur les petits ananas qu'on a sur nos cocktails, là. Voilà, mais en géant, donc ça, c'est, ça se recycle extrêmement bien. On utilise des textiles, beaucoup, on essaye d'aller vers les solutions de textiles. Donc c'est, pour les cloisons, voilà. Oui, c'est vrai que c'est voilà, très bien. Toutes les cloisons, là, on a un cloisonnement, il y a des effets transusités, de moirage dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, on est sur structure acier hautement recyclable et solutions textiles. J'avais fait même une installation d'une habitation. On a fait structure bois et toile tendue. Ouais. Et ça marchait vraiment bien en termes de visuel. Ouais. Alors effectivement, les solutions. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est ça, c'est qu'on essaye des choses. On a les intuitions. On n'a pas exactement la maîtrise en vrai du gain qu'on a sur. On sait qu'on gagne, mais. En plus, en scénographie, c'est difficile de trouver une scénographie équivalente et de comparer des impacts environnementaux et de calculer les impacts. C'est c'est intuitif, quoi. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est qu'on n'est pas... On est sur la problématique, mais pour l'instant, on la traite de manière intuitive. On n'a pas encore développé les outils, ni nous, ni les institutions muséales, pour le coût acceptable d'une exposition décarbonée au mètre carré.
aujourd'hui on ne connaît pas. Ou alors c'est qu'il n'y en a pas, c'est qu'il faut arrêter de faire des expos tempo, mais c'est encore un autre sujet. On sait aussi recycler des choses dans les musées, on sait conserver, là on est dans l'expo Jean-Lys, c'est l'Arts et Métiers, les cloches en verre là. Toutes les cloches en verre qu'on voit sur les photos sont les cloches, c'est le parc du musée. Donc les musées aujourd'hui, et depuis de nombreuses années hein, déjà, gardent des vitrines, ou des socles, ou des mobiliers, des pupitres, des choses comme ça. D'une expo sur l'autre, nous fournissent des listes de mobilier et on fait, autant que faire se peut, le réemploi, le choix de mobilier réemployé. Plutôt que de fabriquer des nouvelles vitrines, on reprend celle-là, même si la proportion n'est pas exacte, même si ça sert un peu les objets, etc. On est volontaire pour faire ce travail. Là, on est sur une autre exposition qui termine bientôt, qui est ouverte en ce moment au musée Loukdounoum à Lyon. Alors, je ne vais pas en parler vraiment beaucoup parce qu'on n'a plus le temps et je voulais juste servir de ces images pour dire que là, dans ces images, il y a des socles, un certain nombre de socles réemployés d'une exposition précédente. Le mobilier multimédia, là, qu'on voit en bas à droite, il est aussi réemployé. Donc, tout ça fait partie des gestes qu'on fait déjà. Mais typiquement, dans ces expositions-là, ce qu'on disait à l'instant, il y a une injonction contradictoire. C'est-à-dire que la salle, elle fait 9 mètres sous plafond. On est sur une exposition sur le divertissement chez les Romains. On parle des monuments romains, le cirque, l'amphithéâtre, le théâtre. Le brief de la scénographie, c'est il faut une scénographie monumentale. Il faut exprimer le monument, il faut exprimer le... Et donc, on fait ce geste, et il a été apprécié. Et il fonctionne très bien dans la salle. Mais effectivement, on engage des quantités de fabrication qui sont importantes. Mmh. Mais il y a des solutions, c'est-à-dire que là, typiquement, le démontage a lieu très bientôt, là, à mi-juin, et le musée Loukdounoum, pardon, a fait appel à des associations qui reprennent les matériaux et qui vont les redistribuer, type la réserve des arts, tout à fait. Alors, je sais plus le nom de l'association lyonnaise et je m'en excuse auprès d'eux, mais voilà. Et donc, voilà, démontage, on essaie de faire des démontages propres, ça veut dire que l'agenceur, on va lui dire... Ne cassez pas les choses, essayez de... Alors, on ne va pas tout dévisser non plus, parce que c'est impossible, mais démonter le plus proprement possible pour favoriser le réemploi. On va aussi, à l'occasion de ce démontage à Lyon, fabriquer une version itinérante de l'exposition à partir de cette version. Donc, on va récupérer certains éléments de manip, certains socles, etc., les retailler un peu, les réduire, et fabriquer une version itinérante qui va pouvoir partir dans les médiathèques, dans les écoles, des choses comme ça. Donc ça, c'est des pistes possibles. Il y a des matières qui vont être employées. Là, ce rideau rouge, il est déjà réservé, etc. Les assises, on le voit. Les assises, c'est des choses qui sont réemployées d'une expo sur l'autre. On aurait peut-être préféré avoir une assise bleue, une assise jaune, etc. Mmh. Mais elles sont comme elles sont. Donc ça, c'est des solutions ponctuelles. On l'a vu tout à l'heure aussi, par exemple, dans le mini-monstre, la couleur, elle n'est pas produite avec de la peinture, elle est produite avec de la lumière. Donc effectivement, l'acarien géant, il est brut. Et sur le chantier, quand le client a vu que le truc était brut, ils nous ont dit « c'est pas possible ». On nous dit « bah non, c'est pas ce qui est prévu ». On a dit « si, c'est ce qui est prévu, il est fait avec la lumière ». On a dit « bah non, ça marchera pas, c'est pas beau ». Et puis en plus, l'éclairagiste, il arrive 3 jours avant la fin du montage. Donc pour les convaincre qu'en rose, ce serait bien, il fallait attendre que l'éclairagiste y vienne. Et sur le planning, l'éclairagiste, il est pas là au moment de l'agencement, il est là à la fin. Donc, il y a une espèce de période de flottement pendant laquelle tout le monde nous a dit il faut peindre. Et puis, quand l'éclairagiste est arrivé, il a mis les spots, il a mis les gélatines, on a réglé les couleurs et l'acarien, il est rose. Quoi. Mm. Et à Paris, il est plus orange, jaune, etc. Mais, voilà, donc il y a un certain nombre de solutions. Alors là, j'ai une dernière image, mais c'est la dernière image de la présentation, donc on restera là-dessus pour parler du reste. Mais c'est pour dire effectivement aujourd'hui. Il faut probablement dépasser ces solutions ponctuelles et un peu réduites, en fait, d'économiser quelques matériaux, quelques socles, quelque chose par-ci par-là. Enfin, c'est pas que ça, c'est d'engager des matériaux qui sont plus vertueux, moins de peinture, moins de produits menuisés, plus de textile, plus de choses légères. Mais les questions qui se posent et qui vont peut-être se poser dans l'avenir, c'est... Effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire de ces expositions temporaires? Aujourd'hui, les musées, ils ont deux postes extrêmement carbonés, c'est le chauffage et les énergies, et les expos temporaires. Donc, il y a des voix qui s'élèvent un peu pour dire peut-être qu'il faut faire autrement. Peut-être qu'il faut concevoir des mobiliers qui vont être réemployés d'une saison sur l'autre. Alors, c'est un peu la mort de mon métier, en fait, en vrai, si je caricature. Mais c'est un peu l'image que j'ai montrée là. C'est un espace que j'aime beaucoup. C'est le département de la mode au musée des arts décoratifs à Paris. Et dans cet espace, les vitrines sont fixes. C'est toujours les mêmes. En fait, elles ne changent jamais. Donc, c'est ce qu'on voit sur ces deux images. On a exactement les deux mêmes vitrines.
avec d'un côté l'exposition Balenciaga, je cite les scénographes, c'est important, Adrien Gardet, de l'autre côté l'exposition Louis Vuitton, Marc Jacobs, donc scénographie Samantha Gainsbury et Joseph Bennett. Et on voit qu'on peut, on peut refaire la scénographie, faire un espace différent, on peut donner une touche différente à l'exposition en étant sur des systèmes mobiliers réduits, communs, qui sont produits. Mais voilà, on peut le faire. L'exemple, il marche parce qu'on est au département de la mode et que les ce sont des vêtements, donc ce sont des silhouettes, donc la hauteur de vitrine, elle est... Oui, elle fonctionne. À la Bibliothèque nationale de France, ils ont les mêmes vitrines depuis l'ouverture du bâtiment. C'est Dominique Perrault qui les a dessinées. Mais pareil, à la Bibliothèque nationale de France, ils exposent des choses relativement homogènes. Mmh. Aux Archives nationales aussi, pareil, même système de vitrines qui rentre une expo sur l'autre, par Massimiliano Fuxas. Mais pareil, Archives nationales, à l'exception de quelques pièces, on a quand même des présentations relativement homogènes. Donc voilà, il y a ces possibilités-là. Le Muséum d'histoire naturelle se lance là-dedans aussi. Produire moins de meubles, réutiliser plus d'une expo sur l'autre, et trouver d'autres moyens de faire la scénographie que par un certain nombre de choses que j'ai présentées aujourd'hui, des mobiliers qui sont spécifiques, sont dessinés. C'est impossible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pour conclure peut-être, c'est qu'il faut, c'est des solutions qui sont globales en fait. C'est de la complexité, forcément. Oui. Et la complexité, ça ne se résout pas avec des solutions ponctuelles qui viennent d'un acteur et pas d'un autre. Donc il faut se mettre ensemble, il faut parler. Il faut donner du temps aussi, et il faut donner de l'argent. Donc voilà, ne pas appliquer aux expos de demain les calendriers et les budgets des expos d'hiver. Voilà, super. Ça c'est important. Ouais. Ah, merci Serge, parce que tu donnes plein de super pistes. Je ne suis pas intervenu, c'est un sujet au Design Spot qui me tient à cœur, moi aussi, particulièrement dans mon métier. De toute façon, notre créativité va être. On va utiliser notre créativité pour amener des nouvelles solutions. C'est faire le deuil de ce qu'on faisait peut-être avant pour faire différemment. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire différemment. Il y a plein de solutions dont tu parles, le textile, réemployer. En amont, c'est l'eau, organiser la fin de vie. Il y a la réserve des arts, il y a plein de la possibilité. Alors, l'idéal, c'est que toute cette matière ne devienne pas des déchets, mais devienne vraiment, je crois que par le don, ça permet d'éviter que ça devienne un déchet, du coup, qui rend compliqué, je crois, la réutilisation des matériaux. Il y a différentes manières de faire. C'est très encourageant, en tout cas. Mais il faut, il faut chercher. Effectivement, quand on aura l'impression d'avoir trouvé le truc qui marche, c'est peut-être qu'on aura arrêté de chercher et que c'est plutôt bon signe si effectivement fait appel à notre créativité et ça fait appel à des solutions qui sont toujours nouvelles. Alors nous, on l'a mis en place, on a imaginé justement des modules d'exposition réutilisables à partir de matières de réemploi et qui va servir justement lui-même. Donc on est, tu vois, dans cette mouvance-là. Okay, Donc j'espère qu'on pourra vous présenter très bientôt une exposition avec nos modules d'expo. Je crois qu'il y avait des questions. Non, il n'y a pas de questions. Mais écoute Serge, vraiment je te remercie d'être plaisir. Venu nous voir, de nous parler de ton beau métier, hyper créatif, hyper, on sent que... On s'éclate. C'est très riche, c'est très prenant. Et que ça bouge et que voilà, merci à toi en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Avec grand plaisir. Ça m'a permis de relire presque un peu mon parcours en cherchant à voir en quoi le fait de venir du design fait qu'aujourd'hui ma pratique est telle ou telle. C'est une belle opportunité finalement. Et encore en évolution. Et absolument en évolution nécessaire. Ok, toujours. Super. Merci beaucoup, Serge. Merci. Je vous dis à très bientôt. Donc, à la rentrée, on vous présentera, tenez-vous informés, on vous présentera le nouveau programme de nos conférences. Et on a aussi nos ateliers. Enfin, voilà, on a plein d'activités de sensibilisation, d'éducation autour du design. Et puis, n'hésitez pas à retrouver cette conférence. Vous pouvez retourner sur YouTube pour la revisionner ou la diffuser si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.